Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus pour cette nouvelle chasse au trésor qui va vous emmener une fois de plus fort loin. Regardez cette planisphère. Nous partons à Hong Kong, sur la côte sud de la Chine. Hong Kong, c'est fort loin, c'est fort beau, je vous en parlerai dans un instant. Mais puisque vous nous êtes d'une fidélité indéfectible, puisque de quelques pays que vous nous regardiez, vous êtes des téléspectateurs fidèles, tous les journaux nous le disent, alors je vais vous dire un petit secret. Il y a 7 heures de décalage à Hong Kong. Pour que Philippe puisse bénéficier des meilleures heures de la journée, pour que Patrick, qui va aujourd'hui être à la caméra, puisse avoir les plus belles lumières, eh bien nous allons tourner le matin à Hong Kong, et il est à Paris, 2h20 du matin. Voilà, ce qui me permet d'accueillir les candidats, qui sont en grande forme malgré cette heure fort matinale ou fort tardive, comme vous voulez. Ce sont des candidats français. Merci d'être au rendez-vous de la chasse au trésor. Vous avez l'air en pleine forme, même aux petites heures de la nuit. Tout va bien? Vous installez au pupitre de commande de la chasse au trésor. C'est de là que vous piloterez cette émission. Et nous allons tout de suite retrouver quelque part dans Hong Kong, Philippe. Bonjour Philippe. Au moment où je prends la parole, Didier Leca, un avion vient de survoler et va atterrir sur l'aéroport international de Hong Kong qui se trouve pratiquement en pleine ville. Je suis donc à Hong Kong dans une de ces rues animées, très animées, nuit et jour. Eh bien Hong Kong est animé parce qu'il y a parfois 150 000 habitants au kilomètre carré et comme densité, et il y a une naissance toutes les 6 minutes. Eh bien, Hong Kong, c'est une marée humaine qui déborde parfois même jusque sur les toits. On dit qu'il y a un immeuble sur le toit duquel des chevaux de course s'entraînent. Vous voyez, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de place à Hong Kong. Hong Kong, eh bien, c'est une ville bouillonnante, décorée de panneaux publicitaires, d'enseignes lumineuses. Et toutes ces pancartes, eh bien, Patrick Favry peut vous les montrer, se sont faites avec des caractères chinois. Je me suis permis d'en recopier certains qui vont me servir pour dire bonjour, je dirais Chosan. Pour dire merci, je dirais Totse. Et pour dire s'il vous plaît, je dirais Mkoy. Pour rejoindre l'hélicoptère, eh bien, je vais utiliser une limousine de luxe. Je vois de quelle limousine il s'agit, Philippe. J'aurais pu utiliser un pouce-pouce. Mais les pouces-pouces, il n'y en a plus beaucoup, il y en a peut-être encore une quinzaine. Donc je vais utiliser cette magnifique limousine et je vais inviter Patrick Favry et Serge Beaupère à monter avec moi dans cette voiture. Merci Philippe. Alors l'île proprement dite de Hong Kong a été donnée aux Anglais après la fameuse guerre de l'opium des années 1940, a été donnée aux Anglais en 1942, et puis les Anglais ont loué d'autres territoires en 1842 bien sûr. Et puis Hong Kong, d'autres territoires ont été loués, notamment Kowloon, et les Anglais ont ainsi eu une colonie de toute première importance dans cette région. Seulement le bail arrive à échéance en 1997, et déjà une négociation fantastique s'engage entre les Chinois et les Anglais, mais je pense que les choses devraient aboutir. En tout cas, je crois que Hong Kong gardera, quoi qu'il arrive, un statut tout à fait à part compte tenu de son importance dans cette région. Voilà pour Hong Kong, je crois qu'il fallait donner quelques précisions. Je suis heureux donc d'accueillir Joël Landréa et Didier Leca. Bonjour Didier, bonjour Joël. Vous bonjour êtes Didier. Tous bonjour. Deux français. Joël, vous êtes cadre administratif. Mmh. Et Didier, vous occupez de statistiques dans une compagnie pétrolière, ce qui doit être tout à fait passionnant. Pas tout à fait, mais presque. Bon, d'accord. Vous habitez Paris. Elsa Manet nous rejoint. Bonjour Elsa. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Elsa. Je vous apprendrai simplement que Hong Kong vient du cantonais et signifie la rade parfumée. Mais ça doit remonter aux origines parce qu'entre-temps, Hong Kong, vous le savez, est devenu un énorme grand magasin et ça sentirait plutôt l'argent. Alors comme l'argent n'a pas d'odeur, j'imagine qu'il n'y a plus de parfum à Hong Kong. Je vous laisse la première énigme, Didier. La première énigme. Bonne chasse à Hong Kong. D'accord, merci. Qui vaut 2500 francs français, dois-je vous rappeler que nous n'avons pas les images, vous en êtes aperçu. C'est la règle de l'émission, que vous avez 45 minutes pour trouver les trois trésors, donc déchiffrer, décrypter les trois énigmes, et que même à cette heure, encore une fois, fort particulière pour des gens normaux, nous allons, et vous allez, essentiellement vous d'ailleurs, faire fonctionner à plein rendement votre matière grise. D'accord? D'accord. Alors Philippe? Oui Didier, eh bien justement, je vous écoute, je viens d'arriver à l'hélicoptère, toujours à l'intérieur de cette limousine, nous en sortons actuellement, je retrouve donc un dauphin, un hélicoptère dauphin, avec le lieutenant James Curtis, qui va donc nous piloter pendant cette émission. Bonjour, how are you? Well, thank you.
écoutez, je suis... Oui, ok, merci monsieur, merci. Je suis juste donc à Kowloon, en fait, exactement, pour le début de cette émission, et je suis devant Clock Tower. Clock Tower, eh bien, c'est le seul bâtiment qui reste de l'ancienne gare qui reliait donc Hong Kong à Canton, et je crois qu'il était prévu, si la guerre avec les Japonais n'avait pas eu lieu, de relier le Transsibérien jusqu'à Hong Kong. Donc on aurait pu venir de Genève, de Bruxelles ou de Paris jusqu'à Hong Kong par le train. C'est quand même assez incroyable. Voilà, donc je suis prêt à appuyer sur mon chronomètre pour démarrer cette émission. Moi, je voulais juste ajouter deux choses. C'est qu'au nord de ce que l'on voit sur la carte, il y a ce qu'on appelle ces fameux nouveaux territoires. Oui. C'est là qu'il y a les réserves d'eau potable alimentées par la République populaire de Chine. Oui. C'est très important dans la négociation dont je parlais. Deuxième chose, c'est que si Hong Kong est à 98% peuplé de Chinois, on y parle, vous le savez, couramment l'anglais. Vous parlez l'anglais? On se débrouille un petit peu. Philippe sera votre interprète. Nous vous avons situé, Philippe. Oui. Voici donc la première énigme, elle vaut 2500 francs, je le répète. Attention à votre chronomètre. Oui. Ok. Ok. Top chronomètre. C'est parti pour cette chasse à Hong Kong, voici l'énigme. Merci. Je la lis. Les avaries réparées après le typhon, des tankas vont partir, emportant avec eux, à l'ombre des voiles, une statue de Tin Hao. Alors je vais relire cette énigme en y mettant mieux la ponctuation que je découvre. Les avaries réparées après le typhon, des tankas vont partir, emportant avec eux, à l'ombre des voiles, une statue de Tin Hao. Alors, Philippe, Tin Hao s'écrit oui. T-I-N, un trait d'union, H-A-U. T-I-N, un trait d'union, H-A-U. L'autre nom propre que je repère, en tout cas l'autre nom curieux, c'est Tanka, T-A-N-K-A-S. T-A-N-K-A-S. Vous avez bien compris l'énigme, le sens de l'énigme, Philippe? Écoutez, je vous demanderai de la relire. D'accord. Alors, les avaries réparées après le typhon, des tankas vont partir, emportant avec eux, à l'ombre des voiles, une statue de Tin Hao. Et je précise encore une chose, c'est que nous avons un petit décalage lorsque nous parlons et lorsque nous entendons Philippe, puisque nous sommes reliés avec Philippe à Hong Kong par cette fenêtre. Voilà. Alors nous partons. Quelle est votre première réflexion? Bon, notre première réflexion, c'est que, bon, il faut trouver... il y a deux noms propres, hein. Oui. Il y a Tanka et Tin Hao. On peut penser que Tanka sont des hommes, parce des que hommes. Les Tankas vont partir en portant avec eux, donc c'est certainement des hommes particuliers, peut-être des pêcheurs à l'ombre des voiles. A priori, oui, ce sont des hommes qui utilisent des bateaux, hein, puisque il y a eu des avaries, donc après un typhon, on peut quand même supposer que ce sont des bateaux. Ensuite, la statue de Tin Hao. On pourrait penser que Tin Hao est un dieu, enfin, ou une déesse. Hein? Pourquoi? Une statue, bon, enfin, il y a quand même l'importance de la religion Et peut-être pour les protéger après régions. Le typhon. Et a priori, ça serait peut-être une déesse ou un dieu qui pourrait être, avoir un rapport avec la mer ou les pêcheurs. D'accord. Hein? Donc, il faudrait qu'on oriente nos recherches. Des tankas vont partir. Bon, alors, a priori... Okay, Captain, could you take off, please? Moi, je vous conseille de regarder la signification des noms propres. Des noms propres. Donc, on cherche dans vos index et de donner à Philippe une première indication de direction. Alors, écoutez, Philippe, pour l'instant. Oui, Didier. Vous m'entendez? Oui, Didier, je vous écoute. Alors, écoutez, pour l'instant, vous pouvez essayer de décoller en survolant très gentiment la région. Vous nous rappelez votre point de départ, Philippe, s'il vous plaît? Oui, mon point de départ, je suis au sud de Kowloon. D'accord. Au sud de Kowloon. Clock Tower. Clock Tower est indiqué sur votre carte. Philippe, vous êtes tout près de la mer, alors. Exactement, je suis tout près de la mer. Patrick bon, vient de... Bon, Tin Hao. Alors, moi, je viens trouvé, de trouver, là, que le fief des Tankas, c'est à Aberdeen. Bon, c'est-à-dire Aberdeen, Philippe, Aberdeen, c'est une ville située dans le sud de Hong Kong. Alors, explique-nous bien les choses. Bon. Pour que les téléspectateurs suivent votre réflexion. Alors, là je viens en trouvant, bon, sur Aberdeen, le peuple amphibie des Sampans, le village de pêcheurs d'Aberdeen. Hein. Oui. Et vous avez décollé, Philippe? Oui, oui, je viens de décoller, Didier. Alors, vous avez bien compris, nous allons à Aberdeen, qui pour vous se trouve à 7 heures, c'est-à-dire dans le sud. Tout petit peu de clarté dans votre enthousiasme. Vous parlez l'un après l'autre. D'accord. Et surtout pas l'un à Philippe et l'autre à moi, parce qu'on va pas se retrouver. D'accord. Alors,
Moi, je lis dans le guide que Aberdeen reste encore pour quelques années le fief des Tanka, cette ethnie qui ne sait vivre, travailler, aimer et mourir que sur l'eau. D'accord, donc, a priori, Philippe, vous allez à Aberdeen. Oui, je viens d'indiquer donc au lieutenant James Curtis de voler jusqu'à Aberdeen. Pas d'ambiguïté, pas d'incertitude, on va à Aberdeen. Ah, d'accord. Oui, a priori, continue. Alors, bon. si je comprends bien, ces Tanka, ce sont des... C'est une ethnie, hein, c'est une... bon. Quel est le rapport avec... Des pêcheurs, non? Bon, alors, a priori, ce seront des pêcheurs. Hein. Des pêcheurs. Des pêcheurs. D'accord. Donc, alors, à Aberdeen, aller au bord de la mer. Hein. Oui. Alors, des pêcheurs à Aberdeen Harbor, qui est très, très bien marqué sur notre carte. Vous l'avez vu, Philippe? Oui, oui, je l'ai bien vu. J'ai indiqué, nous prenons la direction d'Aberdeen. D'accord. Nous sommes maintenant au-dessus, nous avons passé, le bras de mer et nous sommes à Wanchai. Au-dessus de Wanchai, au-dessus des buildings, il y en a bien sûr partout, ça pousse, c'est assez incroyable. D'ailleurs, je fais remarquer que Kowloon, le centre, et l'autre partie du centre à Hong Kong est reliée par un tunnel. Oui, il y a un tunnel, qui passe en effet sous la mer pour relier l'île à Kowloon. Donc vous partez au sud-ouest de l'île de Hong Kong, vers Aberdeen Harbor. Alors, je crois qu'il faut que l'on continue il faut que l'on continue nos recherches pour savoir qui est Tinao. Alors, reprenons, Tinao, moi j'avais trouvé Didier et Joël, reprenons l'énigme à la lumière de ce que vous avez trouvé très très vite. Les avaries réparées. J'ai un temple de Tinao à Aberdeen. Bon. Alors, ça confirme un petit peu ce que vous nous disiez. Vous empruntez votre crayon. Oui. Vous êtes très bien équipé. Hein. Oui. Un marqueur pour souligner les noms propres. Donc, temple de Tinao à Aberdeen. Oui. Alors. Donc, on va essayer de trouver plus de détails sur Aberdeen. Alors, vous nous rappelez, Joël, pourquoi nous partons à Aberdeen et Didier, qui serait Tinao. Allez-y. Donc, nous partons à Aberdeen parce que l'ethnie des Tanka, bon, suivant les guides, est localisée dans cette ville d'Aberdeen. D'accord. Bon, notre deuxième recherche a été sur Tinao et Didier a trouvé un temple de Tinao à Aberdeen. Alors, je peux lire peut-être. C'est le seul de Hong Kong, il n'y a pas d'autres. C'est une divinité connue. Écoutez, je vais essayer de lire là. Un temple construit par les pêcheurs locaux en 1851 s'élève près du terminus des autobus. Il est voué au culte de Tinao, reine des cieux et patronne des marins. Donc ce sont peut-être des marins. Ça confirme tout à fait. À l'origine, le temple était situé sur le rivage, mais les travaux d'assèchement l'en ont éloigné. C'est une déesse taoïste. À la péninsule située en face. Didier et Joël. Oui. Oui, Aberdeen, moi j'ai sur ma carte, j'ai plusieurs noms. J'ai Aberdeen Harbor, Aberdeen Channel, Aberdeen, Aberdeen Réservoir. Où faut-il que j'aille exactement? Eh bien peut-être... Ah ben voilà, j'arrive au-dessus. On cherche un temple, Philippe. Oui. On cherche un temple à Aberdeen. Près du terminus des autobus. J'arrive au-dessus de Aberdeen Harbor. Il y a maintenant devant moi des... D'abord, il y a des câbles à haute tension qu'il faudra éviter. Et je vois des centaines et des centaines de bateaux donc sur le port de Aberdeen. Les avaries réparées après le typhon, des Tanka vont partir. Bon. Donc on cherche des Tanka en fait, on cherche des hommes en fait. Philippe vient d'arriver à Aberdeen Harbor, donc au port d'Aberdeen. Oui. Dans cette baie que nous voyons. Vous voyez, Philippe, des centaines de bateaux. Ah oui, vous savez sans doute cité flottante. Une partie importante de la population habite sur des bateaux. Bon. Alors, Philippe, si l'on relit l'énigme, et je la relis avec Joël et Didier, les avaries réparées après le typhon, des Tanka vont partir en portant avec eux à l'ombre des voiles. À l'ombre des voiles. Une statue de Tinao. Donc, alors, je pense à quelque chose. Allez-y. On nous dit que les Tanka, donc c'est certainement ce peuple qui vit peut-être sur les jonques, ils vont partir. Donc, on peut penser qu'ils sont prêts à partir, donc que les voiles sont levées, puisqu'on nous dit à l'ombre des voiles. Didier Joël, vous me parlez de voiles? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas de bateau à voile? Oui. De bateau à voile. Je viens de voir une jonque. Oui. Avec trois voiles. Oui, qui est couleur, enfin les voiles sont un peu... Lit de vin, marron, vieux rouge. Exactement. Écoutez, j'ai remonté le port de Aberdeen. Oui. Pendant que vous parliez. Oui. Vous m'avez parlé de voiles, je vois un bateau à
avec des voiles. Il est prêt à partir, donc. Il est prêt à partir, écoutez, ce bateau. Philippe, alors, Philippe, nous avons une collection de bateaux en photo. De bateaux devant nous en photo. Je viens de demander à James Curtis de faire un autre tour. Je suis au-dessus, je passe le pont. Je vois, oui, je vois bien un bateau, une jonque avec alors, des voiles, prêt à partir, je ne sais pas. Oui, a priori, Philippe, prêt à partir, oui. Philippe, vous n'en voyez qu'une, jonque prête à partir. Et puis justement, oui, lorsque vous m'avez parlé de voile, ça m'a oui. Est-ce qu'il n'y a qu'une jonque ou qu'un bateau, Philippe? Je n'en vois qu'une avec des voiles. Bon. Alors allez-y, Philippe. Pourquoi les avaries réparées après le typhon? Dans la première partie alors, de l'année. En fait, c'est une région où il y a énormément de typhons. Attendez, en tous les cas, Joël et Didier. Oui. Cette jonque à voile se trouve à proximité d'un chantier naval. Eh ben voilà. Ah, ok, d'accord. Il y a maintenant dessous l'hélicoptère, il y a un chantier naval. On est tout à fait, tout à fait. On les construit. Voilà. On est tout à fait sur le lieu de l'énigme, Philippe. Il n'y a pas de problème. Le bateau a dû être préparé. Je cherche s'il y aurait d'autres jonques avec des voiles. Je n'en vois pas. Alors, écoutez, le trésor, Didier. Que voulez-vous que je fasse, Didier? Voilà, c'est ça. Alors, pour écoutez, moi, Philippe, Philippe, allez-y, dépêchez-vous, posez-vous, essayez posez-vous le plus près possible de la jonque. De la jonque, hein. Le plus près possible de la jonque. Est-ce que vous trouvez could un endroit? Could you have a landing near the junk? Could you have a landing, sir? Soyons clairs, Joël et Didier. Oui. Pour vous, le trésor. C'est la statuette de Tim Naon. Qui est sur la jonque. Sur le bateau. À l'ombre des voiles. D'accord. Et les Tankas vont partir en portant avec eux à l'ombre des voiles une statue. Donc pour qu'on comprenne bien, vous demandez maintenant à Philippe de se poser et d'aller sur la jonque. Sur la jonque. D'accord. Oui, Philippe. Joël et Didier, il y a un petit problème, c'est que cette jonque, donc prête à partir, ne se trouve pas accostée. Elle est, disons, sur l'eau. Ah. Could you have a landing, maybe? Il n'y a pas un petit bateau? Il n'y a pas quelque chose, un Philippe? Un petit bateau qui pourrait vous emmener, Philippe. James Curtis vient de me faire signe qu'il est possible de se poser sur un petit port. Je vais essayer de trouver un bateau à 100 pans ou je ne sais quoi. Et on va essayer d'y aller. On n'est pas très très loin, on est peut-être à 400-500 mètres de, de cette jonque. Mais alors, Philippe, vous ne pouvez pas prendre un pousse-pousse? Vous prenez, je sais pas, encore une limousine, un taxi, quelque chose? Un pousse-pousse en civil. Oui, mais après, après, je ne pourrais pas. Je ne sais pas s'il est... Les pousse-pousse sont flottants, je ne crois pas. Mais écoutez, Philippe, est-ce que j'ai bien compris, c'est le bateau ou c'est vous qui allez vous trouver à 400 mètres du bord? Non, je viens de me poser à peu près à 400 mètres à vol d'oiseau du bateau, qui possède les voiles, de la jonque. C'est-à-dire que le bateau est en pleine mer? Exactement, enfin sur le bras de mer entre Aberdeen, Aberdeen Harbour, sur l'île de Appleyshaw. Appleyshaw. Voilà, d'accord. Le bateau est entre Appleyshaw et Hong Kong. D'accord. Alors, vous demandez à Philippe d'aller sur le bateau. D'aller sur le bateau. D'accord. Et sur le bateau, il doit... Philippe. Oui, je vous écoute, Joël. Sur le bateau, bon, à l'ombre des voiles, a priori, vous devriez trouver une statue de Tinao. Qui est Tinao? Répétez-le. La déesse. Qui est la déesse, je crois, taoïste. Oui, c'est la déesse taoïste des marins. On va essayer de prendre un sampan. C'est la déesse, vous dites? C'est une déesse du culte taoïste. Oui. C'est la déesse des marins. Des marins. Donc ça confirme bien. Et en plus, j'ai une photo. Peut-être qu'on peut la voir. On la voit, vous inquiétez pas. Nous sommes très bien équipés. Voilà, il y a une photo d'un chantier naval où les sampans, les jonques sont en réparation. Et ça s'appelle effectivement bien Appleyshaw. On nous dit c'est ça. Donc c'est bien là. Appleyshaw. Attention, je vais essayer d'obtenir un bateau. Donc ça, c'est le chantier naval. Hein. Oui. Donc Philippe, on vous suit, simplement pour que les téléspectateurs aient bien suivi votre réflexion. Je voudrais que l'on répète toute votre trouvaille. I need a boat, please. Philippe cherche, en anglais. I get one here. On va relire les lignes et l'expliciter à la lumière de tout ce que vous avez trouvé. Donc les avaries réparées après le typhon. Bon. Beaucoup de typhons dans la région. Aberdeen, chantier naval. Des Tankas vont partir. Bon, c'est l'ethnie qui vit dans cette région d'Aberdeen. Sur des sampans, sur des bateaux. Ils emportent avec eux à l'ombre des voiles. Ça va, la statue qui est la protectrice, enfin cette déesse qui est la protectrice des pêcheurs. La statue de Tina. Et nous avons la chance de n'avoir qu'un bateau. Oui, une jonque prête à partir. D'accord. Philippe, ça va? Oui, écoutez, je viens de héler un sampan. Une dame vient avec son sampan, on va pouvoir monter. Ok, Patrick et Serge, could you go to the bridge, to the jonque? How much? Attention au temps tout de même, nous avons utilisé 13 minutes 40 secondes. Yes, please, I am going to the bridge, just under the bridge, and there is a jonque.
Ça va, Philippe, vous êtes sur un bateau? Oui. Expliquez-nous ce que vous faites. Je viens de prendre un sampan, je viens donc de donner un petit peu d'argent à cette dame. Vous êtes à Hong Kong, Philippe. Vous êtes à Hong Kong, Philippe. Je suis à Hong Kong. Et qui m'emmène maintenant? Je suis sur le sampan avec Serge et Patrick. Nous allons passer le pont et nous allons en direction de la jonque que j'ai vue. Nous sommes peut-être as quick as possible, please, Mrs. Yes, please. Devant le. C'est un restaurant flottant, regarde. Dites-moi, Philippe. Voilà, je suis au milieu des bateaux maintenant et puis je vais vers cette jonque le plus vite possible. Bon, je vais essayer de l'accoster, je vais monter et ensuite vous me dites qu'il y a une statue de. Alors, une statue de Tinao, qui est la déesse qui protège les pêcheurs. Taoïste. Le culte taoïste. Taoïste. Oui. Et a priori, Philippe, elle serait à l'ombre des voiles, donc vous pouvez supposer qu'elle est sur le pont, hein, à l'ombre des voiles. Oui. D'accord. Dites, Philippe. Mais votre sampan, c'est un bateau à moteur où il avance, il faut ramer à la godille? C'est un bateau à moteur comme on peut en voir partout autour de nous. Patrick est en train de les filmer. C'est un bateau à moteur qui fait à peu près 6-7 mètres de long sur 4 mètres de large. Mais il avance. Oui, bien sûr qu'il avance. Bon. J'espère bien. J'espère bien qu'il est à moteur. Il est donc conduit, piloté par une femme. Ah bon? Et d'ailleurs, c'est la majorité, je regarde autour de moi, ce sont les femmes qui pilotent ce genre de bateau, qui servent, je pense, à promener également les touristes et puis à rejoindre les autres jonques qui sont dans le port d'Aberdeen. Alors Philippe, vous faites le plus vite possible, oui, parce que regarde le chrono. On peut plus vous donner de renseignements là, Philippe. Nous vous suivons. Oui, en tous les cas, moi j'espère que c'est bien cette jonque parce que j'étais en survolant donc Aberdeen, Harbour. J'ai vu un seul bateau avec des voiles. Hein. On a bien compris ça, et c'est une chance formidable. Et j'en profite pour dire une fois de plus la fantastique aventure que nous vivons à chaque fois avec Philippe qui se promène en baie de Hong Kong et nous qui sommes ici à Paris, qui dialoguons en direct avec lui. On l'entend bien, c'est assez extraordinaire. Oui, je crois. Écoutez, nous passons maintenant à proximité des gens. On passe devant le chantier naval dont je vous parlais tout à l'heure. Oui. Les gens sont en train de construire exactement. Et nous sommes au milieu de ces bateaux qui vraiment, avec le soleil aujourd'hui qui maintenant est apparu, c'est de toute beauté, les couleurs sont somptueuses et je pense que les gens vivent sur ces bateaux. Là, regarde, Patrick, Philippe. On passe à côté d'un bateau, les gens travaillent, les gens vivent sur ces bateaux. Philippe, la jonque à voile est-elle en vue? Oui, je la vois, Patrick, la jonque à voile, elle est maintenant peut-être à 100 mètres. Je passe encore une série d'autres jonques où les gens vivent, habitent là tout le temps. C'est une véritable ville flottante. Mais oui, dites-moi, Philippe, je crois bien. C'est un labyrinthe? Vous êtes obligé de vous frayer un passage entre les différentes jonques ou sans Non, ça passe. Toutes les jonques sont relativement alignées, façon à laisser libre circulation au milieu. Voilà, je suis peut-être maintenant à 50 mètres. Tu vois les voiles de pêcheurs là? Et je pense que les jonques doivent sortir de temps en temps, ou alors ils sortent avec d'autres petits bateaux pour aller à la pêche. Oui. Alors vous accostez diplomatiquement. Écoutez, oui, alors je suis maintenant face à la jonque, elle est à 10 mètres. D'accord. Alors, donc nous cherchons le statut de Tin Hao. Qui devrait se trouver à l'ombre des voiles, Philippe. Sur le l'ombre pont, des voiles. Sur le pont, Philippe. Sur le pont. Good morning, sir. Il y a... Please, il est sur la jonque. Do you have a statue of Tin Hao for me? Ah, attention, préparez votre chronomètre. C'est bon? Préparez votre chronomètre, j'en vois une. Il y a le statut. Allez. Ici, stop. Stop, chronomètre. Oui, stop. Merci, Philippe. Bravo, Philippe. Voilà. Alors, statut Philippe, retournez vite à l'hélicoptère, parce que je crois que là, on est très, très loin. Statut trouvé après 17 minutes 28 secondes, j'espère que je ne me suis pas trompé. Je n'ai pas eu de mal à la trouver. Sur une jonque en rade du port d'Aberdeen. Dans l'île de Hong Kong. Bravo, premier trésor trouvé, première prime empochée, les explications d'Elsa Manet. Eh bien c'est très bien, très très bien. C'est vraiment rondement mené, c'est bien parti pour vous, vous avez très très bien réfléchi à l'énigme. Ce qui était important, c'était, commençons par les avaries. Effectivement, il fallait trouver l'endroit où se réparent ces bateaux. Les avaries causées par les typhons, car ils sont nombreux, chaque année pratiquement, des typhons se dirigent sur Hong Kong et dévastent tout sur leur passage. En 1906, on cite toujours celui de 1906, car il a été le plus meurtrier, il y a eu quand même 10 000 morts à Hong Kong par les typhons. Mais il y en a régulièrement et chaque fois il faut réparer les bateaux. Alors des Tankas, il y en a en trois endroits à Hong Kong. Il y en a à Stanley, à Yumate, mais surtout à Aberdeen, et là vous n'avez pas hésité. Et c'est à Aberdeen que se trouve ce fameux chantier naval, le seul où pouvaient se réparer ces avaries.
Et c'est là donc que Philippe a repéré ce bateau, le seul qui était à voile et qu'il pouvait donc rejoindre pour trouver cette statue. Alors, vous parlez des Tancas, je crois que ça vaut la peine, c'est le peuple des mers. Ils vivent complètement sur les bateaux. Je crois que Joël l'a trouvé et en a parlé. Ils naissent là, ils vivent, ils travaillent et ils meurent sur ces bateaux. Ce sont des peuples très libres, un petit peu comme les gens du voyage. Ils ne veulent absolument pas aller habiter en ville dans des immeubles, car pour eux, ce serait une prison. Ce sont des gens libres. Mais je crois qu'il est temps de partir sur la deuxième énigme. C'est écrit en caractère chinois sur le tapis. Oui, oui, bien sûr, je m'y suis mise. Merci, Elzor. Et une petite surprise. Ah, une surprise. Vous savez que de temps en temps, nous avons des surprises, Philippe, sur ce plateau. Oui, ça et cette fois-ci, Elsa vient de me remettre ce qui semble être un parchemin avec une faveur rose. Est-ce que le chronomètre... Le chronomètre n'est pas reparti. Deuxième énigme, elle vaut 5000 francs. Nous repartons tout de suite. Merci Elsa. Vous êtes prêt, Philippe? Oui, je suis prêt, Didier. Alors nous y allons. Tout va bien? Ouais. Ça va bien. Ils sont merveilleusement mobilisés, motivés. Stop chronomètre, Philippe. Et alors, tenez, je vous donne ponton. Ça. Donc, un document avec un parchemin, avec une faveur autour, et l'énigme. Alors, on va d'abord lire l'énigme, et ensuite on va s'intéresser à ce document qui est à moitié déchiré. L'autre moitié, Philippe, l'autre moitié est encore sur les lieux du tournage. Alors c'est très simple, l'autre moitié est encore sur les lieux du tournage. Didier et Joël, expliquez à Philippe ce que vous avez. Philippe, nous avons une affiche de cinéma qui est à peu près partagée en deux. Hein? Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est une affiche de cinéma? Oh oui, c'est la façon un film, dont c'est... Un film genre coupe. On va bien la montrer. Ah oui, d'accord. Karaté, hein? Alors, on va la décrire à Philippe. Voilà. Oui. Alors, Philippe, c'est une affiche jaune hein, de cinéma. Le fond est jaune. Bon, vous avez des lettres en chinois hein, dessus. Bon, des personnages qui se battent avec des armes, hein, différents personnages. Et compte tenu de l'énigme, il faudrait a priori l'autre moitié de l'affiche déchirée. Alors, Philippe, est encore sur les lieux de tournage, donc on chercherait un studio de cinéma en fait. Mais alors, je soupçonne René Denis, le producteur de cette émission, d'avoir coupé astucieusement cette affiche en deux pour nous masquer tout ce qui nous aurait intéressé et guidé. Vous vous en doutez, Philippe, à savoir le nom et l'adresse des studios. Ah oui. Car l'autre moitié est encore sur les lieux du tournage, on peut imaginer que dans les studios. Se trouve dans les studios. Ou en extérieur, on ne sait jamais. Mais pour vous, c'est plutôt des studios de cinéma. L'enceinte des studios, ça peut être aussi à l'extérieur. Pas un bottin de Hong Kong, un bottin téléphonique de Hong Kong, on pourrait trouver l'adresse du studio. Alors, ça c'est un problème. Est-ce que Philippe, à votre connaissance, est-ce qu'il peut demander? Philippe, vous pouvez demander, Philippe, autour de vous. Il y a... Philippe, est-ce que vous m'entendez? Philippe, je viens de revenir à l'hélicoptère. Oui, je vous écoute. Est-ce que vous m'entendez? Parce que moi, oui, j'ai, il y a un an ou deux, j'ai vu un reportage sur une société de production de films. Oui. C'était une production de films à la chaîne. Oui. À Hong Kong, effectivement. Et Joël, qui est spécialiste de cinéma, pourrait peut-être en dire plus. Effectivement, des films de kung-fu. C'est vrai qu'on m'a dit que vous étiez une cinéphile avertie. Oui. Oui. À Hong Kong, hein. Vous connaissez votre cinéma Hong Kong sur le bout des doigts. Oui, bien sûr. Alors, c'est quel film, ça? Le titre du film, je ne sais pas. Je ne lis pas encore le chinois. C'est vrai? Mais, Shaolin Intruders. C'est-à-dire les envahisseurs de Shaolin. Les envahisseurs de Shaolin. Shaolin, c'est peut-être... Vous n'avez pas vu ça, Philippe? Vous n'avez pas vu ce film-là, non? Mais, Shaolin, qu'est-ce que c'est? Les envahisseurs de Shaolin. Shaolin. Comment il s'appelait? Je crois que c'est une famille. C'est une famille. Philippe, je crois que le nom, c'est les frères Shaw, non? Qui les studios, d'avoir vu un reportage à la télévision il y a quelques années. Oui, non, mais pour l'instant, donc... Vous pouvez demander, Philippe, que voulez-vous que je passe, demandez s'il y a des studios Est-ce de qu'il cinéma. Y a des studios connus comme... À Hong Kong. Comme Cinecittà à Rome ou Hollywood, ou Boulogne, à Paris. Boulogne. Hong Kong est connu pour des studios, enfin de... Est-ce qu'il y a des studios de films? Je vois des shows, là. Donc, écoutez, est-ce que vous voulez pas que je décolle? Je crois que c'est chaud. Didier et Joël, Philippe vous demandent de prendre une décision. Vous décollez, Philippe, de toute façon. Est-ce que vous avez du monde autour de vous, Philippe? Philippe. Eh bien, justement, je suis revenu à l'hélicoptère, il n'y a plus personne. Il y avait du monde au petit port, mais je suis à l'hélicoptère.
Alors Philippe, s'il n'y a personne autour de vous, soyez gentil, vous décollez. Et de toute façon, vous êtes complètement au sud de la carte dans laquelle nous jouons. Alors remontez un petit peu vers le centre de la carte peut-être. D'accord. Could you fly to the north, please? Could you fly to the north? Donc ce film, hein, dont nous avons probablement un titre, Shaolin Intruders. Shaolin. I don't know where exactly, but, Intruders, les envahisseurs de Shaolin. Oui. Produit et réalisé par une société dont nous ignorons tout. Chaud, ça ne me dit rien. Probablement, si on en croit les lignes, tournée à Hong Kong. Moi, je crois chaud d'avoir... Enfin, je ne suis pas très sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier sur cette affiche? Alors, on la regarde à l'écran. Oh, Philippe. Oui. Oui. Attendez, je parcours le Who's Who de Hong Kong. Je vois quelqu'un qui s'appelle Brian Carl Joseph Shaw. On parle dedans de histoire, culture, de des... Excusez-moi, je traduis, hein. culture des pays asiatiques, 35 mm, couleur, photographie, voyage. Ça pourrait peut-être... Film Show, Run Show, film industrie. Donc c'est bien ça. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à chercher ce qu'est Shaolin? Peut-être. Ah, peut-être. Parce qu'on se trompe peut-être pas forcément le... Pardon? Didier et Joël, il n'y a pas d'adresse sur l'affiche. Non, on a Shaolin. Demandez, Philippe, il n'y a personne autour de vous pour savoir, pour connaître Shaolin. Alors, il y a quand même quelque chose, Philippe. Je suis à nouveau, dans l'hélicoptère au-dessus d'Aberdeen Harbour. Au bas de l'affiche, Philippe, Show Family, Show... Show Brothers, oui, comme les Warner. Nous avons, Philippe, au bas de l'affiche, un écusson bleu, avec deux lettres jaunes, SB. Il faudrait regarder si on n'a pas une adresse. Ah, c'est pas Didier qui vient de dire Show Brothers. Oui, Show Brothers. On n'a pas une adresse. Non, Show, celui-là, Run. Ou alors Studio de Boulogne. C'est peut-être chez vous. J'ai pas l'impression, Philippe. Non. Oh, il y a un Clearwater Bay. Qu'est-ce que c'est que ça, là? On a une... Ah non, c'est son club. C'est son club. Alors, vous avez des Show Brothers, des frères Show? Oui, Show Brothers, Limited. J'ai une adresse. Producteur de cinéma. J'ai une adresse. Shaolin. Qu'est-ce que vous avez trouvé? J'ai une adresse en Clearwater Bay. Shaolin Intruders. Philippe, Shaolin, c'est le nom général pour tous les sports de... Martiaux, les arts martiaux. Pour les arts martiaux. Ah bon? Donc le téléphérique, là, qui va sur le point le plus haut, je crois. Ah, d'accord. Et comme l'affiche nous montre... J'ai une adresse, moi, là. Joël. Oui, une adresse nous montre des arts martiaux, du karaté. Bon, donc regarde, Shaolin. J'ai une adresse pour les Show Brothers là. Oui. Clearwater Bay Road. Clearwater Bay Road. Où est-ce qu'on a ça quelque part? J'ai un Clearwater Bay Country Park là-bas, mais. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Clearwater Bay Country Park. On a ça sur la presqu'île de l'autre côté de Junk Bay, si vous voyez ça sur la droite de la carte, Philippe. Sur la droite, Philippe. Sur l'avancée, la presqu'île. Oui. À l'est. Vous voulez aller? Il ne faut pas faire de temps maintenant. Je crois qu'il faut prendre une décision. Je crois qu'il faut y aller. Est-ce que ça vous paraît plausible? Alors, bon. Oui. 30 secondes, Philippe, on prend une décision. Donc, Shaolin Intruders. Shaolin, c'est le nom générique. Le nom générique des arts martiaux, hein. De cette catégorie de personnages qui font du karaté, du kung-fu, etc. Voilà. Bon. Nous avons en bas SB sur les cuissons qui pourraient être les cuissons. Il y a l'adresse du studio, là. Il n'y a pas de problème, Philippe. Et il faut aller à Clearwater Bay Road. D'accord. Alors, qu'est-ce que je fais? Vous allez à Clearwater Bay. Vous allez à Clearwater Bay. Ah oui, je sais que c'est ma carte. Mais alors, je pense que vous allez. Remarquez, il y a une ligne rouge. Je pense que c'est une route qui descend. Donc Philippe va traverser. Nord-sud-sud-est. Qui traverse Clearwater Bay. Alors, est-ce que. Vous pensez que c'est une route, Philippe? J'ai une route sur la carte. Alors, Clearwater Bay Road. Tout au long de cette presqu'île, oui. On peut peut-être penser qu'ils habitent sur cette route. Oui. Alors, j'ai une adresse. D'accord. Plus précise. Could you fly to Clearwater Bay? Le mieux, c'est quand même que Philippe traverse plus vite possible Hong Kong d'ouest en est. Et si vous avez des indications suffisantes, si vous pouvez me dire que les studios sont ici. Alors, Philippe, je viens de trouver quelque chose. Oui. Les studios de cinéma des frères Shaw, qui ont fait fortune avec Bruce Lee et les films de Kung Fu, à Taipo Tai, sur la route de Clearwater Bay. Oh, c'est tout là-haut. C'est tout là-haut, Philippe. Alors, Philippe. Vous voyez sur la carte? Ah oui, parce que, d'accord, je vois, parce que moi, j'avais demandé au pilote d'aller jusqu'à la route,
et de remonter avec l'hélicoptère la route. Mais je vois vous les faits. Type of time, c'est ça. À Type of time, sur la route de Clearwater Bay. Ok, could you fly to Type of time, please? Type of time. On y va? Oui, oui, bien sûr. On y va. Thank you. On y va. Thank you. Voilà, oh là là. Alors, on passe au-dessus de la colline. Attention au temps, 18 minutes 30 secondes. Vous pensez que vous atteindrez... Philippe, vous pensez que vous atteindrez Type of time dans combien de temps? Écoutez, je vais demander à notre pilote. Sorry, James. How many minutes to go to Type of time? How many minutes to go to fly? How many minutes now from here to Type of time? What did you say? How many minutes long? How long to go to Type of time? We'll be there in about 4 minutes. 4 minutes. 4 minutes. Okay, minutes. Thank you. Minutes. D'accord. Alors. 4 minutes. 4 minutes. Okay. Le plus utile, je pense, Didier Joël, c'est que vous résumiez un petit peu ce que vous avez trouvé pour qu'on nous suive bien. Alors. La première chose qui nous a guidés, d'abord, c'est l'affiche. D'accord. Qui représente, comme on l'a déjà dit, l'affiche du film qui doit s'appeler Shaolin Intruders, dont les idéogrammes qui sont au-dessus de l'affiche. Enfin, ça doit être la traduction Shaolin Intruders, tu crois pas? Oui, sûrement, oui. Bon, alors, on sait qu'il y a donc cette société des Shaun Brothers qui font du cinéma à la chaîne, je crois. Ils tournent des centaines et des centaines de films, si je me souviens bien. Et c'est une véritable usine. Vous avez vu ? Donc nous avons cherché... Vertical, les immeubles, les vieux quartiers de Hong Kong. Nous avons donc cherché dans le Huzhou, qui étaient les frères Shaw. Le Huzhou de Hong Kong. Oui, le Huzhou de Hong Kong, bien sûr. Et en fin de compte, on a une adresse qui est le lot 220 Clearwater Bay Road. Philippe ? Oui, vous écoute. Alors, j'ai une adresse un peu plus précise. Dans Clearwater Bay Road, il faudra aller au lot, L-O-T, 220. Lot 220, je 16 minutes 47 secondes de la fin. Donc, Philippe, nous attendons maintenant que vous ayez traversé d'ouest en est Hong Kong, même d'ouest en nord-est, écoutez, que nous remontions vers Tai Po Tai, à l'entrée de la presqu'île de Clearwater Bay. Voilà. Et que nous trouvions là-bas des studios de cinéma. Les studios des frères Shaw. On va peut-être essayer de trouver d'autres renseignements sur les studios, hein, Philippe. Qu'est-ce qu'on a là? Et ensuite, alors, une fois que j'aurai trouvé les studios, alors, que faut-il faire? Vous devez trouver un morceau d'affiche, Philippe. No problem. Alors, décrivez l'autre partie supposée ou telle que vous l'imaginez. Elle est de fond jaune. Philippe. Oui. Philippe, vous devez trouver une partie d'affiche de cinéma. D'accord, la partie supérieure, bas, la partie inférieure, la partie inférieure droite. Inférieure droite, bon, d'accord. Le fond est jaune. Oui. Hein? Vous avez des lignes bleues autour qui délimitent l'affiche. D'accord. Bon, et vous avez en bas certainement le corps d'un personnage, parce que moi j'ai la tête, donc vous devez avoir le corps du personnage. Comme dans un pub. Voilà. Voilà, exactement. Nous avons la tête, vous aurez les jambes. Voilà, et vous devez avoir la moitié d'un visage de femme. Oui. Vous avez l'autre œil, nous on a l'œil gauche. Voilà. Et j'aurai l'œil droit. Voilà. Voilà. Et alors, vous verrez, il y a un monsieur barbu entouré de deux hommes qui font quelque chose d'assez extraordinaire sur un empilage de bancs et de tabourets. Voilà le thème du film. D'autres précisions sur ces studios, Didier? Je cherche, je ne trouve ni un cinéma, ni un studio. Si c'est aussi grand que tous les studios de cinéma que nous connaissons en Europe, on va avoir des problèmes. Donc il faudrait essayer de préciser les choses. Bah écoutez, le lieu de tournage, on nous parle du lieu de tournage. On sait que le lieu de tournage, c'est le lieu où on tourne Shaolin Intruders. Oui, mais est-ce que vous avez une précision sur l'endroit où pourrait être ce morceau d'affiche? Ah non, dans les studios. Parce que si ce sont des lieux de tournage, ça doit être immense. Il faudrait donner, Philippe, compte tenu de l'énigme, l'autre moitié est encore sur les lieux du tournage. Il faudrait demander le plateau où a été tourné ce film. Shaolin Intruders. Shaolin Intruders. S-H-A-O-L-I-N. Bon. Do you know exactly the place where... c'est bien les... Donc, il est arrivé, ce sont bien les studios de Shaw Brothers. Vous y êtes, Philippe? Vous y êtes, Philippe? Est-ce que ce sont bien les studios de Shaw Brothers? Oui, c'est ça. Do you know exactly the place of Shaw Brothers Studio? Yes? Yes, could you fly to this place, please? This way? Écoutez, je viens de demander au pilote, parce que je suis maintenant au-dessus, donc... de cette partie de Hong Kong.
endroit. Je vous rappelle que c'est à Tai, oui. À Tai Po Sai. Oui, mais nous sommes au-dessus de Tai Po Sai. Ah bon, d'accord. Show Brothers Studios, this way. Écoutez, je crois que bien sûr, puisque c'est l'endroit, nous y allons. Could you lend me? Philippe? Could you lend me on this place, please? Philippe. Oui. Show Brothers, hein? S-H-A-W. S-H-A-W. Donc, en fait, je nous cherchons... Je crois avoir vu tout à l'heure sur les arts martiaux. Un tournage, si on est logique, par rapport à l'énigme et l'affiche. C'est un lieu de tournage, en fait. De films... De arts martiaux. D'arts martiaux, c'est ça, Philippe. Ok. Et ben voilà, je suis donc au-dessus donc, de cet ensemble. Bon, regarde là-bas, on dirait un village reconstitué. Shaolin. Chinois. Ah, tu avais trouvé tout à l'heure Shaolin, je crois. Oui. Ah bon, alors. Et là, il y a un petit lac. Bon, could you make please, another... Philippe. Alors, cinéma... Oui, Joël. Philippe, il faudrait... Je suis au-dessus des studios. Bon, a priori, on cherche le lieu de tournage de films de kung-fu, d'arts martiaux, hein. Sacha. Oui, parce que si les studios... Les studios doivent être... sont assez grands, non? Eh bien, écoutez, les studios font... Oui, ils sont assez grands. Est-ce que vous pouvez me dire si ce tournage se fait d'habitude à l'extérieur? Parce écoutez, que je suis compte tenu de la scène... Philippe, est-ce que par hasard, dans les studios, vous n'auriez pas une... Comment une porte. Ah, oui, une quoi un portique, un temple même. Peut-être un temple, hein. Mais écoutez, je ne vois pas de temple, je vois des toits autour de les modernes. Par contre, Joël et Didier, je vois et je vole actuellement au-dessus avec l'hélicoptère, je vois une reconstitution de village, de village chinois. Alors peut-être qu'il y a un temple à l'intérieur. Est-ce qu'il y a une porte devant, Philippe? Oui, un temple, Philippe. Avec... Écoutez, sûrement, en tous les cas, il y a... On dirait qu'il y a des gens qui tourne ? Qui tourne ? Écoutez, oui, écoutez, could you land me ? Allez-y, Philippe. Please, could you have a landing? Just here, this village. This very old village. Il n'y a pas d'ouvrage en dessous, non ? Non. Écoutez, s'il y a un temple, il peut y en avoir un à cet endroit. Il peut y en avoir un. Il peut y en avoir un. Parce qu'effectivement, en arrière-plan de cette affiche, il y a un portique à la chinoise, vous savez, avec ses toits extraordinaires. Et encore en arrière-plan, il y a un temple. Oui ? Il y en a, un bâtiment plus important que les autres. Moi, je dirais que c'est un temple. Vous diriez que c'est un temple? Je dirais que c'est un temple. Bien. Est-ce que vous pouvez atterrir? Yes, please. Could you land? Yes, could you have a landing? 10 minutes et 50 secondes, Philippe. Il faut aller vite. Oui, je demande donc à James Curtis d'atterrir. Bon, alors ensuite, je vais donc faire ce temple. A priori, Philippe, ça serait devant ce temple, hein, puisque la scène qui est sur l'affiche, hein, elle se passe devant ce temple. Hein. Donc, à la limite, vous auriez le temple, un portique devant. Et la scène aurait été tournée devant. Devant le temple. Ouais. Oui, il y a le temple, a priori, un portique et... Il n'y a pas de problème. Philippe, il n'y a aucune raison. Voilà, le pilote doit nous on doit reconstituer le cette scène. Le pilote prend la proximité de ce vieux village. On peut peut-être lui décrire les personnages. Allez-y. Écoutez, Philippe, il y a un personnage qui a l'air d'être un personnage important. C'est une personne relativement âgée avec une barbe grise. Il est complètement chauve. Et il a une tunique jaune. Il a une tunique jaune. Et une ceinture noire. Bien. Alors, sur l'affiche. Oui. Il est en haut d'une pyramide de banc et de tabouret, oui, de comme banc, on l'a dit tout à l'heure. Oui. Alors le héros, c'est peut-être lui quand même. Hein. Il y a une femme. Alors, une femme. On a parlé des yeux de cette femme tout à l'heure. Vous avez un héros central qui doit être habillé de blanc, Philippe. Avec des cheveux longs, Philippe. Peigné en arrière. Il a une épée à la main. Voilà, j'arrive au village. Bon. Alors, il nous semble que le décor d'arrière-plan. Le décor est planté, là. Bon, le temple avec un portique devant. Ça doit jouer un rôle. Ça doit certainement. Oui. 9 minutes 18 secondes. Oh, c'est fantastique! Je suis vraiment à l'intérieur d'un village. Il y a une cérémonie, là. Il y a une danse. Il y a comme un lion. Je suis devant le temple. Non. Il y a des gens qui exécutent des sons périlleux. Oui, vous demandez, dès maintenant, dès à présent, aux gens que vous avez rencontrés, s'ils savent où se trouve, où se tourne exactement. Vous êtes devant le temple, Philippe, là? Je suis devant le temple, mais je ne vous aime pas trop les... Oui. On pourrait supposer que devant ce temple, Philippe, vous devriez trouver un morceau d'affiche.
attendez, voilà, je profite d'un moment, voilà. On est sur le bon plateau. Je suis devant le top, oui. Oh, attendez, dites-moi, est-ce qu'il y a... Écoutez, il y a 4 personnes qui viennent. Demandez-leur, Philippe. Attendez, est-ce qu'il y a quelque chose de... On entend de la musique. Écoutez, j'étais sur le point de monter. De monter où? J'étais sur le point de monter les quelques marches et il vient de se passer une scène assez étonnante. Je suis arrivé, il y a 4 personnes qui ont surgi et qui m'ont lancé un instrument de bataille utilisé. Vous n'êtes pas blessé? Non, je n'ai pas blessé, mais je vous promets, j'ai eu peur. Et puis, 4 autres personnes sont arrivées et les ont bousculées. Donc, je peux rentrer dans le temple maintenant, je peux rentrer. Demandez-leur. Écoutez, j'ai peur, j'ai cru que c'était encore une épreuve. Que... Ah oui, exact, attention, top. Bravo, Philippe, bravo. Top. Bon. Bravo, Philippe. À 7 minutes 46 de la fin, formidable. Laissez-moi parler 2 minutes. Expliquez-nous. J'ai eu peur, je me suis demandé à un moment... s'il n'y avait pas une autre épreuve pour la chasse au trésor et si je devais me battre moi-même. Mais heureusement, après que ces gens m'aient lancé cet instrument de bataille, d'autres personnes ont gravi les marches et ont bousculé ces 4 guerriers qui sont sortis, qui ont jailli devant moi. Et je vous promets, c'est assez impressionnant. Ils avaient le crâne rasé. Ils étaient habillés de jaune, je pense. Comme ils étaient le crâne rasé de jaune. Non, je ne vois pas sur la fiche de tunique jaune moi-même. Alors, je pense que c'était peut-être... C'est ce qu'il y a, Philippe, sur l'autre moitié de l'affiche, ou sur l'autre tiers. On a deux tiers, nous. Oui. Qu'est-ce qu'il y a sur l'autre tiers de l'affiche, alors, Philippe? Attendez, je la remets pour que Patrick puisse la filmer. Eh bien, j'ai des soldats au crâne rasé, torse nu, pantalon noir. C'est ça. J'en ai d'autres avec une tunique rouge, et en bas à droite, j'ai deux personnages principaux avec les cheveux longs, et l'un d'entre eux a une barbe. Et en effet, il y a, j'aurai, moi, l'œil gauche de la jeune fille... Et j'ai l'adresse. Non, il n'y a pas une adresse. Enfin, je vois marqué copyright 1983, Shao Brothers, HK, donc Hong Kong. Pas de problème. Formidable. Très bien, Philippe, très bien. Merci, Philippe. Philippe, le Bruce Lee de cette chasse au trésor aujourd'hui. Vous savez, il a. Vous avez risqué votre vie pour nous. Dans cette super production. Je n'ai rien fait. Eh bien, voilà, il recommence. Il, devant nous maintenant, il continue à exécuter des mouvements, des batailles. Je vous laisse parler, Elsa. Bravo. Bon, enfin, personne ne vous a molesté, j'espère. Philippe. Non, absolument, heureusement. Bon, très bien. Des émotions, simplement. Il y a peu de personnages féminins, ma chère Elsa, dans ces films. Ah oui, en général, c'est très viril, oui, absolument. Mais enfin, là, c'était vraiment une énigme limpide. Hein. Vous alliez droit au lieu de tournage et ça y était. En fait, le temple de Shaolin, vous ne vous êtes pas interrogé beaucoup sur ce temple. Il existe réellement, mais alors il est à des milliers de kilomètres de là. Il est en Chine. C'est un haut lieu du bouddhisme chinois. Il se trouve dans la province de Honan. Et c'était un foyer, un sanctuaire des 18 arts martiaux, dont le plus célèbre est pour nous, je crois, le kung-fu, grâce à ces films que produisent les frères Chow, entre autres. Vous savez, Hong Kong, enfin, vous l'avez appris grâce au reportage que vous avez vu, Hong Kong a une industrie cinématographique absolument florissante. Il faut dire qu'à Hong Kong, il y a 110 cinémas qui désemplissent. Mais Hong Kong produit aussi énormément... pour l'exportation, évidemment, ces fameux films de kung-fu. Bien, donc on peut... Troisième énigme, quand même. Philippe, j'ai l'impression que la fête continue. Oui, oui, je regardais ça avec beaucoup d'intérêt, et Patrick filmait le caméraman qui filmait la scène lui-même. Voilà. En tout cas, nous quittons ce lieu de tournage pour la troisième énigme. Je vous écoute. La voici, Philippe, cette troisième énigme. Bon. Votre chronomètre est prêt. Oui. Vous n'êtes pas trop loin de l'hélicoptère. Non, non, pas trop loin. Alors attention, Philippe, top chronomètre, voici la troisième énigme qui vaut 20 000 francs. Et je la lis. Lorsque Philippe le déclenchera, des habitants de Victoria penseront qu'il est midi. Lorsque Philippe le déclenchera, des habitants de Victoria penseront qu'il est midi. Cette énigme vaut 20 000 francs et vous avez 7 minutes 26 secondes pour la trouver. Philippe, si c'est le chronomètre, on l'a déjà gagné alors. Oui, absolument. On je va voir pas tout ça, Philippe. Dans 7 minutes. Philippe, vous décollez, oui. Et puis oui. On peut penser que vous vous rapprochez de Victoria. Et d'accord. Alors, qu'est-ce Victoria? Je vois Victoria Peak. Il faut redescendre. Oui, nous sommes passés tout à l'heure à côté de Victoria Peak, je crois. Alors, écoutez, Philippe.
Oui. Vous redescendez de toute façon vers le centre de la carte et de toute façon vous vous dirigez vers l'île ou la presqu'île de Hong Kong. Donc vous retournez vers le centre de l'île. C'est-à-dire le sud de Koh Loon et le nord de l'île de Hong Kong. Est-ce que Philippe le déclenchera? C'est un signal. Il déclenchera, oui. On pourrait supposer que c'est une sirène. Une sirène ou un signal. Donc Philippe doit faire le chemin en sens inverse. Comment? Philippe doit faire le chemin en sens inverse. Oui, absolument. Pour retourner. Victoria, c'est à Hong Kong. Victoria Harbour, vous avez le port de Victoria ici. Ah oui, je vois Victoria Harbour, je vois également Victoria Peak que nous avons passé tout à l'heure, qui culmine à 554 mètres. Je retourne vers Hong Kong. Oui, il faut retourner vers Hong Kong. Alors on va essayer de trouver maintenant ce que vous pouvez déclencher, Philippe. Qu'est-ce qui peut se déclencher à midi? Ça peut être un signal, certainement, de toute façon. Ça peut être un signal sonore, ça peut être un signal visible. Tout à l'heure, vous étiez à Clock Tower. Pourquoi Clock Tower, mais du côté de Koh Loon. Oui, mais Clock Tower est à Koh Loon et pas à Victoria. Peut-être l'entendre. Peut-être peut-on l'entendre. Parce que Victoria, c'est le quartier nord de l'île de Hong Kong. Le quartier de l'île de Hong Kong. Sûr. Sur l'île de Hong Kong, oui. Non, mais vous êtes sûr de cette information? Oui, a priori, oui, à Victoria Peak, bon, on pense, hein. 5 minutes 40, là, je vois, allons vite. Je vois le district, voilà. La Victoria. Nous quittons le village chinois et nous partons donc en direction de Victoria. Alors, qu'est-ce qui peut se déclencher à midi? Lorsqu'il est midi. N'oubliez pas, Didier et Joël, que nous sommes dans une colonie britannique, pays de tradition s'il en est. Oui. On peut-être réfléchir à tout ce qui peut marquer le temps. Il y a Big Ben. Je pensais à ça. Alors, je vois Clock Tower. Moi, je ne sais pas, mais ça me paraît pas idiot. C'est midi, c'est pas l'heure du thé, mais c'est. Philippe. Oui. Est-ce que, à votre connaissance, midi est une heure particulière à Hong Kong? À Hong Kong. Qu'est-ce qui peut se passer à midi? Philippe. Qu'est-ce qui se passe à midi? Il n'y a rien de particulier. Il n'y a rien de particulier. De réponse qui arrive tout de suite. Bien. Nous cherchons dans les livres. Mais que moi, j'ai presque envie de faire passer par Clock Tower, voir s'il n'y a pas quelque chose qui se déclenche. Ah, effectivement, marqué peut-être, parce qu'effectivement, Philippe, Clock Tower, c'est en face du quartier de Victoria. Donc on pourrait peut-être penser que les habitants du nord de Hong Kong entendraient Clock Tower. On va essayer de trouver peut-être des informations. Peut-être on peut chercher Clock Tower. On va essayer en 3 minutes, 20 secondes. D'accord. Voilà. Posez-vous. Retournez finalement à votre, pratiquement à votre point de départ, Philippe. Bon, il faudrait qu'on cherche Clock Tower, peut-être. Ok, essayez de trouver des renseignements. Moi, au début, je sais que Clock Tower, c'est donc le seul bâtiment qui reste de la gare qui reliait Hong Kong à Canton, l'ancienne gare, l'ancienne ligne de chemin de fer. Et c'était donc ce qui était prévu pour être le terminal de tout le transsibérien. Donc, mais Philippe, je sais, moi, de Clock Tower. Justement, Philippe, peut-être qu'il y avait un train important qui partait à cette heure. Ah, peut-être, oui. Peut-être. De toute façon, c'est le reste d'une gare. Il y a un avion qui va décoller, là, ou qui vient d'atterrir. C'est le seul reste de la gare. Donc, il y avait peut-être un signal qui résonnait à cette époque. Je vais vous aider à compulser tous les guides. Moi, je cherche que... 3 minutes, 30 secondes. Voilà. Est-ce que vous pouvez me répéter l'énigme, s'il vous plaît? Elle est très simple. Lorsque Philippe le déclenchera, des habitants de Victoria penseront qu'il est midi. Donc, on peut imaginer aussi que c'est un signal. Un signal sonore, Philippe. Très important, puisque les habitants de Victoria l'entendent. Entendent. À midi. En France, quelquefois, on a la sirène des pompiers. Le premier jeudi de chaque mois, effectivement. Oui, c'est à ça que je pensais. Je sais pas si. Voilà, moi j'ai quelque chose sur Victoria. C'est le nom de la capitale de la colonie, donc de Hong Kong. Voilà, nous venons de passer à nouveau au-dessus de la piste de l'aéroport de Hong Kong. Heureusement, aucun vol n'a pu interrompre le nôtre. Et nous continuons, nous filons sur Victoria. Ça peut être le départ d'un bateau, ça peut être le départ de... Ça peut être le départ d'un bateau. Victoria Harbour. Je pense à une sirène, à quelque chose. C'est peut-être un bateau particulier qui part à midi et qui a une sirène qui... Non mais... Philippe, voilà, j'arrive, oui. Il n'y a pas de Clock Tower nulle part. Écoutez, je ne peux pas, moi, de mon côté, vous aider. Écoute, il reste 2 minutes, il y a qu'à le faire atterrir à Clock Tower. Alors, atterrissez à Clock Tower, Philippe. J'atterris à Clock Tower. Bon, ok. Could you fly to Clock Tower and have a landing, please? Je ne vois pas grand-chose, hein. Mais ce que je recherche... Je passe donc devant Wan Chai. Et je vais me poser, voilà, Clock Tower. Nous allons nous
reposer là. La tour de l'heure, littéralement. Oui, la tour de la pendule, la tour de... Oui, il y a en effet une énorme pendule. Qu'est-ce que... Demandez, Philippe, s'il n'y a pas un signal particulier. Est-ce qu'il peut résonner à... Un gong, peut-être. En plus, lorsque Philippe le déclenchera, les habitants du Donc c'est un mécanisme s'il le déclenche. Un mécanisme, je vais essayer de voir, donc, dans la tour... Dans la tour, s'il n'y a pas un mécanisme. Oh, il reste 1 minute 30, Philippe. Combien ? 1 minute 30, Philippe. Aïe, aïe, aïe. Où est-ce que vous êtes, là, Philippe ? Je suis au-dessus de Clock Tower. Je demande au pilote de me poser, please. Oh, puis je vois rien sur Clock Tower non plus, là. Voilà, je vais donc me reposer au point de départ, mais ce n'est pas la première fois que nous le faisons dans la chasse au trésor, je me souviens. On l'avait déjà fait. Yes, please. Alors, je vais essayer de... Je vais essayer de monter à cette tour. Aïe, 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 est-ce que... Bon, ok, please. Ah, il n'y a pas de Clock Tower. Vous avez des renseignements sur Clock Tower? Non, rien pour l'instant. Pouvez-vous demander, Philippe, s'il y a un mécanisme particulier? Qui je pourrait suis plongé aussi dans les bouquins, mais je ne trouve rien. Qui pourrait résonner à midi? Je vais poser la question. Je vais essayer de trouver quelqu'un. Je vais d'abord essayer de rentrer parce que... Cela semble fermé. Je me suis reposé donc au même endroit. Ah là là, 30 secondes, Philippe. Écoutez, je suis bêtement coincé derrière des grilles, là. Voilà. Je vais essayer Un marteau, Philippe. Il faudrait taper sur un marteau. Un marteau qui doit résonner sur un gong, sur une pièce de métal. Oui. Écoutez, je suis au pied de la tour. Montez, Philippe, vite. Il reste 10 secondes. Attendez, j'essaie de trouver. Il n'y a pas un gong, Philippe, un marteau avec un gong. 5 secondes. Il y a une porte. Il y a une porte. Oui. Ça va être l'autre gong qu'on va entendre, Philippe. Elle est fermée. Elle est fermée. Elle est fermée. Ce n'est pas le gong de Hong Kong, malheureusement. Il y a une porte, mais elle est fermée. Je viens de. J'ai l'impression que nous touchions le but, Philippe. Nous touchions le but. Il faut que je trouve la clé. Il faut que je trouve le gardien parce que la porte de Clock Tower est fermée. Je suis désolé. Il nous a peut-être manqué quelques secondes. On va demander à Elsa tout de suite. Encore une fois, c'est de la déduction pure parce que... Comment ? Ah non, pas du tout. Ce n'est ni un gong, ni une cloche, ni une sirène. Pas du tout, pas du tout. Et Philippe, je vous en supplie, redescendez, repartez. C'est pas ça, on n'y était pas. Ah, pas du tout, pas du tout. Alors n'ayez aucun regret, ce n'était pas une affaire de secondes, c'était carrément une affaire de minutes et plusieurs minutes. On n'y était pas du tout. Ah, pas du tout. C'était pas Clock Tower. Pas du tout. Je répète. Trompé, hein. Alors, Philippe, vous voyez sur votre carte dans un premier temps, parce que ça me facilitera les choses, vous le verrez vous de visu. Le fameux tunnel qui fait se rejoindre Kowloon et Victoria. Oui. Bon, à l'est de ce tunnel, à la sortie du tunnel, donc côté Victoria, vous avez Causeway Bay. Causeway Bay, oui, je vois. Bon, vous vous rendez, vous reprenez l'hélico et vous vous rendez à cet endroit, à la sortie du tunnel. Vous vous faites larguer là. Côté Victoria, Elsa. Côté Victoria. Et là, vous vous dirigez vers l'est en restant côté mer. Et vous vous dirigez vers un canon, car il vous faudra tirer le canon. Le canon qui s'appelle le Noonday Gun, c'est-à-dire le canon de midi. Voilà, encore une tradition britannique à l'origine. Le canon de midi. Voilà. Je vous laisse partir. Je pense qu'il y a une histoire, Elsa, ce canon. Évidemment. Attention. Mais Philippe, je pense qu'on vous retrouvera après le générique, sans doute, parce que vous êtes trop loin. Oui, probablement. Vous n'avez vu ça nulle part. Non, franchement, non. On aurait peut-être pu traduire, midi, Noonday Gun, le canon de... Okay. Votre pilote le connaît certainement, ce Noonday Gun. C'est très connu. Ah, c'est très connu, puisqu'on le tire tous les jours à midi. Noonday Gun. Vous l'avez ? En plus, vous l'avez, voyez. C'est une tradition qui remonte à 1850 à peu près. Ce jour-là, un employé zélé de la compagnie qui trafiquait, qui négociait beaucoup dans ces eaux-là, vous savez, c'était la guerre de l'opium, un employé zélé a salué l'arrivée de son patron par 21 coups de canon. Et le gouverneur n'a pas été très content parce que c'était un usage qui était quand même réservé au gouverneur et aux officiers qui venaient de plus loin. En signe de représailles, on a demandé à ces négociants de tirer le canon tous les jours à midi. Et donc, les habitants de Victoria peuvent mettre leur montre à leur pied. Philippe, vous aviez raison, j'ai posé la question à notre pilote. Lui aussi connaît donc la position exacte du Noonday Gun.
donc il n'y a pas de problème, il m'emmène directement. Mais disons tout de suite, Philippe, que les pilotes ne jouant pas, on ne pouvait pas lui poser la question. Hein. On est bien d'accord. Merci, Philippe. Philippe, je vous en prie, à tout de suite. Oui. D'accord. Avec les images de fin d'émission. D'accord. Et à très bientôt. Voici en souvenir de cette émission Un jeu de la chasse au trésor. Bravo, je crois que vous avez très très bien joué. Merci à tous, restez-nous fidèles comme vous le faites depuis près de 3 ans et demi maintenant. Et à très très bientôt pour une prochaine chasse au trésor. Bien voilà, je viens d'arriver au Nundegun et j'ai envie de pointer ce magnifique canot en direction de Clock Tower qui nous a fait perdre cette troisième inning. Il est à ma montre 10h30 passé. Normalement, je devrais attendre 1h30 avant de tirer le coup de canon. J'espère que les habitants de Victoria ne vont pas nous en vouloir et qu'ils ne vont pas dérégler leur montre en tous les cas. Je vais donc m'apprêter à tirer. Attention, 5, 4, 3, 2, 1... Et voilà, ça y est, j'espère que les habitants de Victoria ne vont pas être surpris. En tous les cas, à la semaine prochaine, à bientôt.